ça nous donne ce genre de documentaire qui sera possible de suivre ce soir à 20h. En attendant, on repart pour cette Winner Final. Et deux retours. On a deux retours. La team de Nitox et Mugiwara no Brando contre Momo et Kishiro que vous venez de voir au set précédent. C'est reparti sur PS2. PS2 qui a un terrain assez grand, donc beaucoup d'espace pour s'exprimer. Et surtout, là, on a deux shotos sur le terrain, Luigi et Ryu. Ainsi que Nitox qui joue son Lucas. Et le fameux Sonic de notre cher Kishiro. Ça se met sur la gueule, les pourcentages sont plutôt even, même si on perd une stock très tôt du Kishiro. Côté de Kishiro et 100% du côté de Luigi. Donc en soi, c'est l'équipe de Nitox et Mugiwara no Brando qui domine sur ce début de match. Ah non, Kishiro, il nous avait habitué à l'inverse, du coup, de garder sa stock. Bah oui, c'est vrai. En premier. Il a perdu à 30%, le pauvre. C'est dommage pour lui, mais en tout cas, je suis sûr qu'il a pas, il n'est pas prêt d'abandonner. Juste pour... Wow, cet edgeguard de fou. Cet edgeguard de fou de la part de Momo sur Nitox, qui était en train de revenir avec son Picket Thunder et qui s'est pris les baguettes dans sa bouche, là. Et là, heureusement, il a encore 3 stocks, le Luigi. On perd une stock du côté de Mugiwara et actuellement, on a... Il y a deux stocks de chaque, il y a 4 stocks d'un côté, mais il y a 4 stocks de l'autre, sauf que la répartition est un bordel sans nom. Elle a rien à voir. Après, on a 180%, on a 0% et 2 stocks de la passe de la barre de Luigi. Et ça me fait rire parce que Luigi, du coup, il n'a pas sorti le Sephiroth là. Il nous avait dit que c'était une erreur. C'est une blague, c'était une blague. C'est une blague. C'était une vanne là, maintenant il joue sérieux, il joue pour la gagne. Et il a sorti le Ryu et c'est pour l'instant ça paye. Pour l'instant ça paye, ils sont bien plus sérieux que son Sephiroth, même s'il est en train de se faire edge trap par Luigi, il arrive à regagner du terrain, il y a Sonic qui vient mettre un peu de bordel dans tout ça, back throw sur le Shoto, F-Smash, Talreta comme ça on envoie dehors. Et par contre go to Minecraft, F-Smash de Sonic on le connaît, ça part. On a mis une patate. Et du coup là au niveau des stocks c'était à l'avantage de l'équipe rouge, maintenant c'est le désavantage de l'équipe rouge, même si les pourcents sont hauts du côté de Sonic. On sait comment Sonic peut survivre très longtemps avec un jeu très défensif, très je cours partout. Franchement l'évolution de ce match fait aucun sens. Vraiment. L'évolution de ce match fait aucun sens, ça part dans tous les sens, c'est jamais vraiment qui a l'avantage. Un coup c'est l'équipe de Nitox, un coup c'est l'équipe de Momon. Actuellement on a Momon qui ne remontera pas, dernier stock pour tout le monde, même si notre Kishiro à 125 va céder sa dernière stock. Et maintenant c'est du 2v1, 109%, si on prend vite la stock à Ryu, on peut espérer quelque chose. Avec par exemple un down B, qui est un move qui va être très compliqué. Ah, c'est dommage, c'est passé de faire le Shoryuken de Luigi. Hey, le pass de Edge Guard là, ça suffit. Il arrive quand même à revenir, il en a deux qui sont là. Down B pour envoyer Mugi dehors. Nitox par contre qui déroule le combo, mais c'était pas trop, on connaît Down B, voilà. Et maintenant on a un Luigi contre le monde, contre deux personnes qui est en train de se faire enchaîner, qui se fait mettre dehors. Piqué Fire, ça partira pas parce que la DI était bonne. Side B, et par contre ça part. Et le feu et la glace qui se combinent entre eux pour... Pour tuer quoi. Pour tuer. Pour simplement, pour prendre la stock, pour prendre cette première game. On rappelle que c'est un BO5. La game d'avant c'était... Ça va se passer pour la suite. Et ça part directement, on garde la même map, les mêmes personnages, voilà. Pour changer, une équipe qui gagne, ou alors une équipe qui a presque gagné. Je ne sais pas, mais en tout cas ça part. On déroule les combos du côté de Momon et le B ne va pas passer, on aurait pu prendre la stock hyper vite. On se fait mettre dehors, par contre du côté de Mugi et Sonic, pour l'instant c'est un peu plus ambigu. C'est Luigi. Luigi est mort, Luigi est mort. Là cette fois-ci je l'ai vu, je l'ai pas raté. Je l'ai raté. Nitox a tout simplement mis son Picking Thunder dans la tête de Luigi, il a accompagné tout simplement vers la blessure du bas. C'est très simple, très facile et très compliqué du coup pour Luigi de revenir de cette situation dans tous les cas de stock. On a les pourcentages qui montent malgré tout sur les autres personnages qui ont encore 3 stocks. Là faut se débarrasser de Nitox parce qu'il a creusé l'écart avec en prenant cette stock très très tôt à Luigi. Maintenant on a un bon retard qui est creusé. Sonic en plus qui perd sa stock à son tour et là on a 3 stocks du côté de Nitox et Mugi. Donc l'écart à leur avantage va être très bien trouvé. Bon, Talreta, F-Smash bien trouvé sur Mugi. Et on vient prendre cette stock, cependant Nitox en a toujours 3 et on en a plus qu'une du côté de Luigi. Oh là là, ça va trop vite, ça va trop vite, ça va trop vite. On a trouvé des petits confirmes sur des montecs de la part de Mugi. Mugi lui-même qui a réussi à arracher des stocks avec des Tatsumaki fourbes. Il sait faire des Tatsumaki lui aussi. Et oui. Ah oui, mais c'est vrai, mais c'est vraiment un Shoto lui. Mais je vous dis, petit Hadoken, petit Shoryuken, petit Tatsumaki. Plus, mais c'est un truc de dingue. Il a tout pour être un Shoto. Après, contrairement à l'autre Shoto, il a une stock de moins. Ah oui, là c'est plus compliqué de s'exprimer dans ces conditions. Oui, wow, ça commence. Netsu Choconut, là ça se fait des rolls, chacun à son tour, tandis que Nitox se prend Sonic, les spin dash.
On arrive à se débarrasser de Luigi. Par contre, ouais, Luigi est proche de la mort à sa dernière stock, 106%. Il peut mourir assez rapidement. Peut-on prendre ce piqué fire, ce qui va le mettre à l'extérieur. Heureusement, Kishiro vient l'aider en se débarrassant de ceux qui peuvent l'amener à la mort. Et Sonic, en pleine face sur l'écran, cède sa deuxième stock. Oh, tu viens s'éclater la tête contre notre écran. Oh, tous ces hitstun. Pendant que soit t'essayes de peut-être arracher cette deuxième stock. Attends, Rira pour Mugi, ça peut lui coûter très cher. Juste un down smash, enfin juste, c'est un down smash mais qui ne va pas tuer. Malheureusement pour Luigi, en tout cas, le problème aussi de Ryu dans ce match, on l'a vu certaines fois aussi sur lui, en face de l'Estrap surtout, c'est que l'auto-terre... Il s'est fait pièce. Oh non. Il s'est fait pièce par Luigi, il l'a poke avec le B, lui il remonte et lui dit au revoir. Par contre Luigi 169%, okay. Je donne pas cher de sa peau. Voilà, la peau de Luigi a été vendue. Et par contre maintenant on est tout seul du côté de Sonic face à un Nitox énervé et un Shoto qui est prêt à te mettre des combos comme jamais. Un Shoto pas très énervé mais qui fait peur rien qu'à sa tête, l'icône du perso. Après Nitox il a quand même pas mal de pourcents. Tout est possible. Et non. Malheureusement la glace va encore une fois en finir. 2-0 pour Nitox et Nugi. Ça se passe bien pour eux pour l'instant. Shoto qui doit retourner son. Qui doit mettre son stick dans une direction. Au lieu de faire des motion input. Franchement ça fout un peu le seum d'avoir à faire ça. Non, attends. Vite, ok c'est bon, il arrive à s'en sortir. Luigi qui commence un grab avec un combo 0 to death, s'il n'y a pas l'allée qui vient aider, j'ai toujours peur pour le mec qui risque d'en être victime. Encore plus qu'en ces moments, hein, encore plus qu'en ces moments qui sait exactement ce qu'il fait avec son personnage à la casquette verte là. Mais c'est vrai que sur un terrain aussi grand que PS2, c'est une situation qui risque d'arriver encore une fois, hein, les 0 to death de la part de Luigi, vu que c'est facile d'isoler un adversaire. Nitox a un personnage qui n'est pas super rapide au cas où il a envie d'aider son pote. Et Ryu ça court pas bien vite non plus. Et Ryu ça court pas bien vite non plus. Et Kishiro de l'autre côté, bah celui qui se fait pas combo, bah il peut bien le mettre dehors en fait. Ah oui, il peut très bien le mettre dehors. Donne bien les trouver sur cette throw sur Nitox. Par contre tout le monde a toujours 3 stocks pour le moment, ça fait presque une minute que le match a commencé. Qui va concrétiser cette première stock? Qui je vous le demande? Est-ce que Kishiro va encore une fois ne pas mentir? Il s'est pris un pied bouche et ce sera encore une fois le premier à perdre sa stock dans ce set. Il y a Mugi qui l'a suivi de pas très loin après et maintenant du coup on a plutôt à égalité pour le moment. On a par contre Luigi qui est à l'extérieur, il essaye de revenir, il y arrive. Par contre Nitox c'est à son tour d'être dehors, Piqué Freeze ne va pas être touché, par contre on vient chercher très très bas et la Nitox, est-ce qu'il revient? C'est mort, c'est très très bas. La première stock qui est perdue là par du petit garçon. Il est venu se venger direct, la vengeance était instantanée, il est venu refaire, on n'en parle plus. Tout fâché le petit Nitox. Et dans tous les cas, au niveau des pourcentages, c'est quand même toujours un petit peu à l'avantage des verts. Hein. Ils n'ont pas donné leur dernier mot, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Et c'est balle de match quand même pour l'équipe adverse, donc ça veut dire que c'est leur dernière chance. Là, il y a moyen chance. Qu'ils nous refassent un reverse 3-0 comme tout à l'heure. Hein. En tout cas, ça a l'air d'être bien parti parce que les pourcentages sont plutôt. Commence à être de plus en plus even pour le moment. Luigi trouve le up smash, deuxième up smash, voilà. On déroule, on envoie tout, donner. Et là, par contre, je donne pas cher. Il arrive à quand même, il avait son job, heureusement, et là on a un contrôle de terrain qui est pour l'instant pour Luigi en fait, juste pour Luigi, même pas pour l'équipe verte, pour Luigi. Sonic qui court partout, qui fait n'importe quoi, mais c'est un truc de fou là ce qu'ils viennent de faire. En fait, Kishiro est descendu pour que Luigi puisse lui rebondir dessus avec son sideway pour qu'il puisse revenir effectivement, parce que sinon il aurait eu beaucoup de mal à revenir. C'est super intelligent de la part de l'équipe verte. L'équipe verte, en plus de ça, ont l'avantage au niveau des stocks, qui ont réussi à récupérer une stock chacun. Ouais, bah là, qui déroule tout simplement. Bah là, actuellement, on a la stock de plus du côté de Luigi et il peut dérouler. C'est quand même si avec la rage, peut-être qu'il y a des combos qui vont peut-être moins passer. Up throw, voilà, on en parle plus, on réégalise. Mais 50-50, enfin, on a deux personnages qui sont au-dessus des 50% en face, tandis qu'on a un Luigi à 0 et Sonic qui peut faire preuve de survivabilité. Okay. Donc, actuellement, c'est. Plus un avantage pour l'équipe verte, mais c'est ça peut vite se faire remonter. Nair into Dande qui a failli tuer. On rappelle qu'on est sur le stage qui a le plafond le plus bas de toute la stage list. Là, c'est la défaite du joueur 2. C'est la défaite du joueur 4. C'est un 1v1. Momon contre Nitox. C'est reparti. On connaît. Là, c'est des choses qu'on a l'habitude de voir. On sait comment Nitox est très surprenant au corps à corps. Après, on a un Luigi en face. C'est-à-dire qu'au corps à corps, faut pas faire n'importe quoi. Un Dande peut partir très très vite. Un MP aussi. Là, c'est offstage. Offstage, Nitox il se raccroche.
Est-ce qu'il va réussir à gagner du terrain? Il regagne du terrain, le Donbé sera whiffé. Et là, on va encore mettre ce Donbé pour catch ce Zer, très très bien vu. Maintenant, c'est Nidox qui essaie de remonter. Il arrive à se débarrasser de lui avec ce pouvoir de glace. Mais Donbé, une fois de plus, la DI, heureusement. La DI, on l'a dit, hein, ça peut survivre très longtemps si tu sais DI. C'est ça, la DI, on la connaît du coup, on survit beaucoup plus longtemps. Là par contre c'était complexe. Et Momon il a lâché 3 ou 4 tornades en 1v1. Le nombre de tornades en 1v1 qui sort, c'est incroyable. Oui, c'est des vidéos. Et la maison du handball évidemment, Solari. Si, la maison du handball. On va faire du smash à la maison du handball, mesdames et messieurs. Et oui, et oui, et oui. Et là c'est reparti. Quatrième game cette fois-ci sur un terrain beaucoup plus petit. Petit champ de bataille. On avait Mugi qui s'était fait mettre dehors, mais heureusement Nitox est arrivé pour embêter un peu Luigi. Ça permet de retourner la situation. Et actuellement, on a une équipe verte qui est un peu en désavantage dans ce début de match. Mais bon, on est vraiment au tout début. Donc, est-ce qu'on est vraiment à 20%, 30%? Ah, là, ça commence à être le double. Donc, ça commence à vraiment être conséquent pour le coup. Là, ça commence à vraiment être conséquent. Kishiro qui a tenté un petit game sur le Nitox. Mais le Nitox qui ne se laisse pas faire, qui revient sur le terrain. De toute façon, on est sur des phases un petit peu d'un V1. Qui décide d'aller sauver son pote et qui se fait défoncer après. Ouais, c'est ça. C'est assez compliqué. Est-ce que je vais revenir? Oui, il va. Oh, gros pied, taille 52 dans les dents. Dans le menton. Dans le menton. C'est parti. C'est parti, ça part tout de suite. Là, c'est la première fois qu'il y a part de Mugi Warren Brooklyn. Mugi qui est en pétard sur son Ryu. Mugi qui est en pétard. Voilà, il est un peu plus énervé avec les games précédentes pour lâcher un gros F-Smash comme ça en Edge Trap. Waouh! Donsro Backer, on a la stock de Sonic qui part. Et du coup, ça va permettre à Nitox de venir sortir un Mugi des emmerdes face à Luigi. Ouais, finalement, ça va être un petit peu facile. On a tenté un petit edgeguard, mais Ryu, c'est peut-être pas le meilleur perso pour cette phase de jeu. En tout cas, wow, un petit shuriken, c'est parti. Il va évidemment pas tuer, on est trop 100%. Par contre, le up smash de lui, ça va tuer. Et on est presque au even au niveau des stocks. On a Nitox quand même clairement acquis le pourcent. Edgeguard pour fond, c'est sûr. Ouais, il aime bien garder cet habituel avantage d'une stock supplémentaire qu'on a l'habitude de voir dans ce 2v2 avec Nitox. On a du coup bien là, il a le volé McDo dans la blast zone et par contre du coup il a perdu cette stock. Ouais. Mais on a Luigi et Sonic qui sont. Bah Luigi qui vient de perdre sa stock et Sonic qui a 102, donc à tout moment ça peut partir. Surtout face à un Shoto. Ça peut partir, à tout moment ça peut partir. Malgré le fait que il est enlevé la stock de son adversaire, c'est arrivé aussi en dégainé malheureusement. Il avait aucune chance. Il avait aucune chance de revenir à la Loriyu sur cet edgeguard de la part de Kishiro. Waouh. Bah ça y est, on a volé une stock à Kishiro pour revenir du côté de Momon. Et par contre, Kishiro est mort. Ça va être du 2v1 là où Nitox a deux stocks. Je veux pas être médisant, mais ça a l'air d'être un peu plié comme mon linge dans le placard. Hein. Ouais, clairement, après mon linge dans le placard, il est pas aussi bien plié que ça. Ça veut dire ouais, là, c'est très bien que plié. Ça peut très bien se passer. C'est très très bien plié là. Et là, ça se check. Très fair play, très beau set.